Thomas Souchon, lui aussi, amateur de mer. Oui, oui, oui. Bah, il a un bateau la Trinité, donc c'est aussi un marin. Il navigue pas mal en Bretagne. Et en fait, je l'ai contacté comme ça, sans le connaître spécialement. J'ai des chansons, surtout une que j'aime beaucoup de Souchon, qui m'avait accompagné pendant des voyages quand j'avais fait des treks en Patagonie. Et j'ai toujours eu cette chanson en tête et je me suis dit qu'elle illustrait énormément bien ce voyage. Donc j'ai toujours pensé que si je cherchais un parrain, ça serait lui. Et en fait, il a dit oui, il est venu voir le bateau, il est rentré dans le bateau, il est très curieux du projet et surtout très sympa parce qu'il m'accompagne pour trouver les sponsors. Et il est venu, il a chanté et ça fait une ambiance super sympa, quoi. Principalement. Ils nous ont accueillis déjà, on a été visiter l'usine et toute l'usine, c'était super. Et il y a une ambiance vraiment, enfin, quand on a visité cet endroit, on a trouvé vraiment une ambiance de travail et de vraiment sympa. Et donc, ils nous accompagnent dans le projet et ils en font vraiment un outil de com. Donc, ils en parlent les employés sont intéressés par le projet. Donc, c'est sympa, quoi. Je sens que j'aurais quand même, ils sont 250, je crois, même peut-être plus. Et je sais qu'il y aura du monde derrière moi à me suivre et ça va m'aider aussi mentalement, ça c'est sûr.